Comprendre les enjeux de l'accessibilité grâce au schéma numérique. Notre parcours dans le schéma va nous permettre aujourd'hui de comprendre les enjeux de l'accessibilité numérique. Nous suivrons cinq étapes. 1. Un, une question éthique et juridique. 2. L'enjeu des outils de travail. 3. L'enjeu de l'accès au contenu et aux services. 4. Les outils de suivi de l'accessibilité. 5. L'importance essentielle de l'engagement humain. C'est parti. Notre parcours commence au cœur du schéma numérique, dans une région où se côtoient l'éthique, la sécurité, la protection des données personnelles, la volonté d'abolir la fracture numérique. Chacun, quelle que soit sa situation, doit pouvoir accéder aux contenus et aux outils numériques. La loi est là pour garantir que les personnes porteuses d'un handicap profitent des ressources numériques en ligne. Ainsi, la BNF est responsable d'un service national dédié à l'accessibilité des livres. La plateforme Platon, plateforme de transfert des ouvrages numériques, permet à des organismes habilités d'avoir accès aux fichiers numériques des œuvres récentes afin qu'ils puissent réaliser des adaptations à destination des personnes empêchées de lire sur tout le territoire. Dans l'une des salles de lecture de la bibliothèque, la salle E, les personnes empêchées de lire auront bientôt accès aux adaptations numériques déposées sur Platon dans le respect de la réglementation. En outre, selon la loi, tous les sites du secteur public doivent être accessibles depuis le 23 septembre 2020 et toutes les applications mobiles, les progiciels et les mobiliers urbains numériques doivent être accessibles au 23 juin 2021. Cette loi touche de très nombreux aspects de l'activité de la BNF. Elle se traduit par des labellisations, des certifications et par un schéma pluriannuel d'accessibilité numérique. L'accessibilité est une préoccupation quotidienne elle correspond à des dispositifs et à des services. Mais l'accessibilité suppose aussi un processus constant d'amélioration car dans ce domaine il reste beaucoup à faire. Le premier enjeu est l'accès aux outils de travail. Les applications professionnelles comme NoEMI ou DELIA, qui sont en cours de développement, intègrent d'emblée les exigences de l'accessibilité. Quant aux solutions clés en main, Messagerie, téléphonie, gestion électronique de documents, outils collaboratifs, qui sont examinés dans le cadre des marchés publics, elles sont évaluées en fonction de leur conformité à ces exigences. Si un prestataire ne répond pas à ces exigences, on ne peut retenir son offre. Tout comme la sécurité, l'accessibilité est un paramètre incontournable. Le deuxième enjeu est l'accès au contenu, proposé par la bibliothèque et par ses partenaires. Le site bnf.fr, Gallica, le catalogue collectif de France CCFR ou encore le site Inscription billetterie ont engagé une logique de certification. Pour être actuel, un certificat doit dater de moins de trois ans. Il informe sur le niveau d'accessibilité du site examiné. Les marques blanches de Gallica sont également éligibles à la certification. Ainsi, la Bibliothèque diplomatique numérique ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a publié un certificat d'accessibilité. En matière d'accès aux ressources de la bibliothèque, la dynamique en faveur de l'accessibilité est continue. Elle concerne notamment la refonte de l'espace personnel ou le développement de la médiation numérique sur le site de Richelieu. De quoi donner envie de venir visiter la BNF, n'est-ce pas Pour suivre ces travaux, la BNF, en particulier le département des systèmes d'information, DSI, s'est équipée d'outils de suivi. Citons OPIDOM, un site qui recense les quelques 900 applications informatiques de l'établissement et qui comporte des mentions sur leur accessibilité. La bibliothèque est accompagnée par un prestataire spécialisé chargé d'apporter des conseils, de mener des actions de sensibilisation et de réaliser des audits. Une fois les études et constats réalisés, sur quels critères la bibliothèque s'appuie-t-elle pour sélectionner ce qu'elle va traiter en priorité Elle considère plusieurs éléments. Le nombre d'utilisateurs, bien sûr, mais aussi l'importance du service rendu, la place de l'outil ou du site dans l'écosystème global, la date de la prochaine refonte ou encore les technologies employées. Comme toujours en matière de numérique, l'engagement humain et la proximité sont des facteurs essentiels d'évolution. La mission handicap de la BNF, pilotée par la direction des publics, contribue à l'amélioration de l'accueil des publics. Elle est à la fois un centre de ressources et le nœud d'un réseau d'acteurs formés, impliqués au quotidien au cœur des différentes équipes de la bibliothèque. En interne, les agents en situation de handicap ont un référent à la direction déléguée aux ressources humaines. Et vous Qu'en dites-vous si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le schéma numérique en ligne à l'adresse c.bnf.fr/pop en majuscule. Merci pour votre attention.